Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une confiture à l'orange et on va rajouter, donc là c'est la saison des oranges, donc je profite de faire de la confiture. On va rajouter un tout petit peu de citron aussi pour renforcer aussi, comment je peux dire ça, la conservation, voilà. Donc on y va, mais avant de commencer cette recette avec vous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors, on y va, on va commencer la préparation. Tout d'abord, on va éplucher les oranges et aussi les citrons. Voilà, allez, on y va. Donc là, on va commencer à... On va commencer à éplucher les oranges. Donc là, j'ai fini d'éplucher tous les oranges. Voilà. Donc j'ai fait exprès de garder un peu la peau. Et on va commencer à couper les oranges en deux. Comme ça, ça va me permettre d'enlever le pépin de l'orange. Voilà, regarde. On va commencer à les enlever. Donc là, comme ça, quand je vais mixer, il y aura un peu de la peau d'orange. Voilà. Donc on va en deux. Voilà, égal. Et ndotowaze zentruda zahe orange. Voilà. Donc là, je vais vous montrer une démonstration. Donc là, j'enlève les pépins. Ensuite, j'enlève ça là. J'enlève ça. Et on coupe des petits morceaux. Voilà. Donc là, j'ai fini de couper des petits morceaux. Voilà. Et on va mixer le tout. Voilà. Je vais bien vous montrer. Là, regardez. Donc là, on va mixer le tout. On y va. Donc là c'est bon, j'ai mixé, regardez, j'ai mixé et on va rajouter. Alors quand vous allez mixer et que la peau est dure, donc vous pouvez le faire avec le couteau. Voilà, faire des exemples. Je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire quand vous mixez et que la peau... que ce soit encore plus petit, vous coupez comme ça. Voilà. Donc là, on va rajouter le citron. Voilà, c'est pour éviter de ne pas mettre les pépins. Donc là, j'ai fini de mettre le citron. Si vous voulez, là j'ai mis 4 citrons, je crois, oui. Et si vous voulez vous voulez pas mettre beaucoup, vous pouvez mettre que 2 citrons. Sinon, vous voulez laissez que l'orange, ben si vous voulez, vous allez ne pas mettre le citron. Vous allez faire que la confiture à l'orange, c'est tout. Mais si vous voulez, vous pouvez rajouter du citron. Voilà. Donc moi j'ai mis 4, mais si vous souhaitez, vous pouvez mettre que 2 ou 1 comme vous voulez. Voilà. Là, c'est mon choix. J'ai rajouté un tout petit peu de,
de citron, bon, c'est-à-dire 4 citrons. Voilà, dans là, on va rajouter aussi du sucre. Voilà, j'ai perdu la langue, je vais rajouter du sucre. Et je vais en mettre deux comme ça. Donc là, je vais mélanger le tout d'abord et ensuite je vais rajouter encore un deuxième. Et s'il le faut, je rajouterai une troisième. Voilà. Donc là, j'ai rajouté encore comme ça. C'est un verre de thé. Donc là, j'ai rajouté encore un deuxième tour. Et je mélange de nouveau. Donc, ça se pourrait que je pourrais rajouter encore une demi-tasse. Voilà. Allez, on va mettre au feu. On va faire cuire. Donc, voilà, la confiture commence. On a allumé le feu, à feu moyen. Donc, voilà. Et je vais rajouter encore du sucre. Donc finalement en fait j'ai vu que les oranges, il y a plus d'oranges que de sucre, donc j'ai rajouté en gros 1 kg de sucre. A savoir que là j'ai utilisé 2 kg d'oranges, au lieu de mettre 2 kg de sucre j'ai mis 1 kg, mais vous pouvez mettre 1,5 kg ou 2 kg de sucre, c'est comme vous voulez. Donc voilà, là j'enlève ce qui se trouve sur la confiture. Il faut enlever, il faut vraiment enlever ce qui se trouve sur la confiture. Donc là, quand ça commence à faire ce bruit, il commence à avoir des bulles, ce qui veut dire que la confiture, bientôt, je vais éteindre le feu, ce qui veut dire que bientôt, la confiture, elle se fait au fur et à mesure. Elle est prête, ça veut dire que la confiture, elle est prête. Voilà, donc là, regardez, j'ai mis sur une assiette de tasse de café. Ça coule pas, ce qui veut dire que c'est bon. Donc là, j'ai lavé les bocaux à l'eau chaude et je commence à mettre dans les bocaux. La confiture, je commence à mettre dans les bocaux. Voilà, regardez cette belle couleur. Et ça sent très, très, très bon. Là, j'ai retourné les bocaux pour chasser l'air et éliminer les bactéries. Donc, il faut savoir que pour la conservation, vous laissez, une fois ça refroidi, vous laissez tranquillement où vous voulez et vous pouvez conserver pour 1 mois, 6 mois, voire 1 an. Donc, vous pouvez l'accompagner avec du pain de mie, vous pouvez aussi avec du brioche et aussi avec tout ce que vous voulez. Voilà. Moi, parfois, je mange comme ça. C'est tellement bon que voilà, j'oublie qu'il y a du pain à côté. Je mange comme ça. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aura plu. N'oublie pas de activez la cloche de notification, comme ça quand je ferai de nouvelles vidéos, vous serez prévenus. À très bientôt sur ma chaîne. Bye!